C'est comme ça, ainsi qu'elle se trouvait accompagnée d'un arbre. En cas de croyant, il se trouve accompagné d'un arbre. Quel est cet arbre-là? Vous voulez? Arbre. Arbre ici de quoi? De son engrais qu'il a planté, qu'il a ruiné. En quoi? Anis. Comme ça, on pioche là. Pour identifier les. Qui lui permet de détecter les voleurs. Cet arbre-là, il se trouve. Il devient un compagnon. Quoi? Un compagnon de cas. Le croyant là. Il devient son compagnon. Un compagnon, il est moustiqué un pays. Mais c'est un projet, parce que quoi? Vous avez un chien qui est là. Un chien qui est là, qui détecte tout ce qui est voleur. Un moustique imprégné. Et un moteur Google qui l'inspire quand il réfléchit. C'est comme ça. Et le croyant K considère maintenant tous ces signes, tous les signes qui lui viennent par cette table-là, par cette vue-là. Puis il réfléchit sur ça. Telle est la seconde possession que doit faire le croyant. Telle est la seconde possession que doit faire le croyant. Ainsi, croyant, il a la position, voilà croyant. C'est la soif du mot 23 du courant. Et 23, c'est quoi? À la position 23, dans la tablette, c'est la lettre W. W, comme ça, c'est 2 quoi? C'est 2B. B, ça veut quoi? B, il a la position 22, donc ça va être 2 fois 22. 2 fois 22, ça va être 4. Voilà, le croyant fait une double procédation. Une première procédation. Cette carte là, cette carte là, la première procédation, c'est celui de l'index droit de la main droite levée. 4. Ça c'est pour faire quoi? C'est pour être inspiré, pour avoir l'inspiration. Maintenant la seconde procédation là, c'est ici. Le second carte, ça c'est pour faire quoi? C'est pour réfléchir sur l'inspiration. Ça c'est la réflexion, ça c'est quoi? C'est vu qu'il y a l'index gauche levé, grandi. L'index gauche grandi. C'est comme ça. C'est pourquoi le croyant musulman, quand il se prosterne, il fait quoi? Il fait une double prosternation. Il se prosterne une première fois, s'assoit, et puis se prosterne une seconde fois. Ça fait les deux prosternations. Et chacune de ces prosternations, dans la pièce, ça dessine quoi? Ça dessine 4. Voilà son dos. Voilà sa cuisse et voilà sa jambe. Avec elle. Elle se prosterne. C'est son tapis de prière. C'est comme ça. Et c'est ça que fait le cas. Car fait toujours cette prosternation. Car le croyant. Il fait toujours cette prosternation. Le croyant. C'est cas. On sait qu'il a la position 11 de l'alphabet. 11 c'est quoi? C'est 3 plus 4 plus 4. On sait que 3 c'est quoi? On sait que c'est assorti. Ah, la position 3 de l'alphabet, ça reste C. C'est l'assorté. Je vais l'expliquer. Je vais l'expliquer plusieurs fois aussi. C'est l'assorté. C'est-à-dire, l'assorté, ce qu'on appelle l'assorté, c'est l'incomplet. Le besogneux. Tout serviteur, en dehors de Dieu. Et tout serviteur, et quoi, il est quoi? Il est assorté devant quoi? Devant son créateur, devant Dieu. C'est comme ça. Tout ce qui est en dehors de Dieu est assorté. C'est un 3, c'est un C. Il est assorti. Il est incomplet. C'est le seul Dieu qui complète. C'est comme ça. Ça, c'est tout servi de ça. 3, sa forme, c'est celle de l'assorti. C'est un assorti qui fait quoi? C'est-à-dire un serviteur qui fait quoi? Qui fait une double prosternation. Qui fait un premier 4 et puis un second 4. C'est un croyant. Et le second cas qu'il fait là, c'est qu'il le fait quoi?